toutefois, nous avons besoin d'arbitres sur la glace, mais également en dehors de la patinoire. Examinons cette affaire civile qui implique deux personnes bien connues de la communauté. Pierre Tremblay est à la fois enseignant et entraîneur bénévole de l'équipe de hockey. Un de ses joueurs, Paul Laberge, mène le championnat pour accumulation de points, mais également pour le nombre de minutes de pénalité. Comment a-t-il fini au tribunal? Le juge est là pour aider à déterminer la vérité. L'équipe se trouve dans les vestiaires. La défaite fut rude en prolongation et l'équipe est éliminée des séries. Monsieur Tremblay essaie de remonter le moral des troupes, mais les gars sont bien déprimés. Paul, pour sa part, est furieux. Il n'accepte pas que l'entraîneur l'ait sorti du jeu 2 minutes avant la fin de la partie. Monsieur Tremblay et lui se sont disputés toute la saison. C'est vrai qu'il a reçu plusieurs pénalités pour jeu agressif, mais c'est ce qui donne l'avantage à son équipe sur la glace. Les autres joueurs ne sont pas surpris de voir Paul et leur entraîneur à couteau tiré, en train de s'engueuler. Mais les parents de Paul n'aiment pas ce qui se passe. Ils vont poursuivre M. Tremblay en justice afin d'être dédommagés. Arrêtons-nous un instant pour étudier le rôle du juge dans cette affaire. M. Tremblay et Paul sont les acteurs d'un débat. Chacun présente les preuves susceptibles de défendre sa cause. Le juge est comme un arbitre qui doit déterminer la vérité. Il doit faire la part des choses de façon juste et prendre en compte que les faits pertinents. Il doit s'assurer que la loi est appliquée. Pendant le procès, quel type de décision le juge rendra-t-il? Est-ce que le juge décidera que les preuves de Paul sont admissibles? Est-ce que M. Tremblay aura l'occasion de donner sa version des faits? Est-ce au juge de décider si les parents de Paul doivent accepter une offre de règlement de dernière minute? Quel est le rôle du juge dans un procès? Comment est-ce qu'un juge demeure le plus impartial possible pendant le processus de découverte de la vérité? Passez les faits en revue et jugez par vous-même.